Aujourd'hui, je vous parle d'un pied de bois, d'un arbre qui pousse souvent dans le fond de la cour, de monter plantade, dans toute de côte de Bonnavé, il appelle frouillapin. Déjà, il n'est pas nourri à nous. Mais moi, je veux parler de frouillapin, surtout pour son côté, l'usage médicinal que de monter il fait longtemps. Alors, quand on avait un frouillapin mûr, il tombe à terre, il flash, de monter fait cuire ça. Si jamais un avait un brûlure, il avait brûlé la lue, eh bien, il fait un cataplas avec ce frouillapin mûr-là sur la brûlure. Il enlève la douleur et il permet cicatrisation d'après ce que Bona dit. À côté de le frouillapin, une espèce de gongon, les longues, il appelle ça le fleur mâle. On a fait bouillir ça pour faire baisser la tension. Il fait bouillir à lit, il boit à la soif. Hein. Et il faisait, ce qu'il avait la tension haute, il fait baisser. Et le racine frouillapin aussi, on a fait la tisane avec. Ouais, il fait la tisane pour faciliter la digestion, pour des tas de petits problèmes santé, nous n'avons surtout du côté gastrique. Et bien, il fait la tisane frouillapin. Et pour cheveux. Ah, pour cheveux, pour moi, c'est l'idéal, pour moi, c'est mon hypothèse. Parce que lui contient certainement un principe actif qui nourrit les glandes qui nourrissent les poils. De mon image fouillapin, son cheveu, il ne gagne pas. Dans les pays grands consommateurs de fouillapin, la calvitie recule, c'est-à-dire cheveux, il ne gagne pas, cheveux, il est solide. Et moi, je mange fouillapin, et mon cheveu, il tient beau la même.